Salut le beau frère. Comment ça va? Bonjour. Hein? Tranquillement, pas trop vite? Ça marche pas comme ça doit marcher, mais ça marche. Ok. Salut. Bonjour. Viens me montrer ça. Ben non. Fais-lui tourner la tête un peu. C'est bon, t'as vu ce que. Il y en a. Je prends le goût de quelqu'un dans la famille quelque part, là. J'en ai un jeune à quelque part dans vos familles. Salut la sœur. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Merci, Antoine. Salut, papa. Bien, mon oncle. Comment tu te sens? Ouais. Hein? D'habitude. Ça va pas changer. On se revoit tout à l'heure, Ouais. c'est sûr. Tu connais David? Non, Non? j'ai pas eu l'honneur, mais. David, c'était le fils de la sœur à Donald. Le fils de la sœur. D'une des sœurs à Donald, ouais. Ouais. Et qui restait à Ville-la-Salle, eux Écoute autres. pas, comment ça va, les amis? Ça va bien? Bon dimanche de baptême. Bon dimanche. Baptême. Baptême. Comment ça va? Ouais, vous êtes bien beau? Toujours en amour? Oui. On se voit tout à l'heure? Bye. Bye. Vous auriez pas vu son père, par hasard? Celui-là s'appelle comment? C'est Olivier, ça, le fils à Benoît. Bonjour Olivier. Ben, bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien, toi? Content de te voir. Ben, moi aussi, je savais pas que tu serais là. On se... Comment ça va? Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Et il est bien habillé à part ça? Il est calme. Ta main est contente. Oui, ça a été une grosse organisation. Hein? Et tout ça. Je suis soudainement timide. Regarde, timide. Ah, je suis pas en feu, fait que Dieu doit pas exister. Comment dire ça ici, là? Ben, t'as vu? Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Je pensais qu'en pesant là-dessus, ça arrête, mais attends une Ah ouais, minute. dépêche-toi. Tu vas même avoir un vidéo. Okay. Attends. Lili! Lili! Bon, ben, on change de position. Changer de bord. Papa! C'est la dernière Elle façon. S'ouvre pas pour Elle a fait les ça, hommes. Non, mais Voilà, c'est juste le mot que nous accueillons. Avant le baptême, le bébé, et en même temps, pour que nous portions chacun nos responsabilités avant de baptiser le bébé qui répond à l'étoile du Sénat et qui n'ont pas demandé d'être baptisés. Alors, là, je veux poser la question aux parents et après aux parrains et aux marraines. Par rapport à leurs attentes pour le baptême que nous allons célébrer tout de suite. C'est vrai que, en demandant que le bébé soit baptisé, vous avez des profondes attentes que nous voudrions que vous exprimiez ici devant Dieu et devant la communauté chrétienne. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Olivier, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bravo! Sourire. Il fait du beau sourire. Oui. Ah oui, ça me l'intrigue. Là. Ouais, faites-moi votre plus beau sourire, là. Bah, c'est celui-là que j'attendais. Ah, c'est moi qui t'attendais? Non, elle pensait qu'elle s'en sauvait. Elle. Allô, ça va? Ça va? Oui, mais dans le groupe à José. Là, oui. Non, c'est parce que moi, on ne me voit jamais. Hein? C'est toujours moi qui fais. Oui. Oui. Mais là, c'est assez de se gêner. Pour commencer, je voudrais remercier tout le monde d'être présent. Et je pense que nos petits cocos, ils ont bien fait ça à l'église. Hein?
ça a bien été. On peut les applaudir. Je remercie tout le monde d'avoir été si gentil avec nous autres, toutes les personnes qui nous ont aidés de proche ou de loin. C'est très, très apprécié. Puis je vous souhaite une belle fin de journée avec nous autres. Merci de vous être juste à monter les marches, puis tu vas la voir.